Bonjour les élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va apprendre leçon 4, le masculin et le féminin. On va étudier ensemble et apprendre ensemble comment je peux transformer le mot masculin ou bien la profession masculin au féminin. On peut distinguer d'abord entre les mots masculin et le féminin par les articles. On a déjà dit que les articles « le »,« la » et « les » et les articles « un », « une » et « distinguent entre les mots le masculin et le féminin. Un mot est au féminin si je peux utiliser « la » ou bien « une ». Les deux articles s'utilisent avec le féminin, comme « une fée » ou bien « la grenouille ». Et un mot est masculin si je peux utiliser « le » ou bien « un », comme « un dragon » ou bien le magicien. Je toujours distingue entre les mots masculins ou féminins avec le, un ou bien la et une. Maintenant, j'ai quelques professions et quelques adjectifs qui se transforment du masculin au féminin. D'abord, un coiffeur se transforme en une coiffeuse. Un sportif se transforme en une sportive. Un menteur se transforme en une menteuse. Je change l'article aussi. Un devient une. Et parfois, le er se transforme en euse. Le if se transforme en Yve. Et parfois, le er se transforme en euse. Aussi. Et un conducteur se transforme en une conductrice. Un maître devient une maîtresse. J'ai aussi quelques mots qui se terminent par une consonne. Ça varie. Chat devient chatte, lion devient lionne, rat devient ratte, lapin devient lapine. Et maintenant, je vais écrire un ou une ou bien une devant chaque mot. Numéro 1, un chameau, un dauphin, une bouteille, une girafe, un jouet, une frite, un fromage, un arbre, un pantalon, un livre, une salade et une fourmi. Comment je peux distinguer entre les noms ou bien les adjectifs masculins ou féminins? J'étudie les mots comme elle est. Si je te dis un chameau, alors un chameau, c'est masculin. Une salade, alors je te dis toujours qu'une salade est féminin.